Salut à tous mes petites croutasses, ici Contro et je suis extrêmement ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour une pochette surprise. Une pochette surprise qui ce soir sera vraiment tranquille. Le début de semaine étant ce qu'il est, on a envie de se détendre un petit peu en découvrant un certain nombre de jeux d'anciennes machines. Et on va directement commencer. Je vais quitter la musique et on commence par de la GBA. Allez, j'ai encore rien préparé, comme d'habitude. Alors, on va lancer 2D10. Et on part donc du coup sur du 15. Et la lettre sera du A. Donc on est donc en A15. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vous n'avez pas vu ce que c'est. Et moi, je vois ce que c'est Crash Bandicoot, Purple, Riptos, Rampage. Et c'est tout. Et on est parti immédiatement. Alors, n'hésitez pas à me dire si le son est trop fort. Je vous mets la petite scène. Je suis complètement diminué aujourd'hui. Allez, donc si je mets ça, c'est bon, c'est en plein écran, c'est parfait. Donc, c'est un jeu du coup sur GBA qui est sorti, j'ai même pas vu quand, c'est pas marqué. Je connais pas du tout. Je connais pas du tout ce jeu, on va découvrir ça ensemble. J'ai le souvenir que les Crash Bandicoot sur GBA étaient absolument excellents. Maintenant, on va voir ça. J'ai vu qu'il y avait un party mode, j'ai bien peur qu'il y ait un mode spécifique pour les mini-jeux. Et ça ferait un petit peu chier. Alors, nous y voici. Donc là, on est vraiment sur du crash classique. C'est bien ce que je me souvenais. C'est beau, c'est fluide. On a les bruitages d'antan. Là, on est vraiment sur un jeu de plateforme de qualité, hein, si je puis dire. Crash, ok. Il faut que je trouve un truc. J'ai pas regardé ce que c'était. Alors, en termes de touches, qu'est-ce que ça dit? Je teste un petit peu cela. Bon, bah, de toute façon, on est sur GBA, hein, c'est pas bien compliqué. En revanche, comment est-ce que je peux faire du coup pour arriver à sauter là-dessus? C'était peut-être là qu'il me le disait. Explore, il faut voir pas 19. Ah, c'est peut-être des trucs que je récupérerai après. Ouais, à mon avis, c'est ça. Qu'est-ce que ça nous dit? You need to use one pass fruit. Ok, donc il faut que je chope un certain nombre de fruits. Donc là, il faut que je chope 10 fruits, enfin 10 pommes. Bah, quelle tête de con. Ça commence bien. Et on repart à 0 pomme, d'accord. J'ai bien peur que ce soit un jeu mini-jeu. J'ai pas eu l'occasion de le faire, celui-ci. Je me souviens... Ah, j'ai un double saut, autant pour moi. Voilà, donc là je peux récupérer tous les trucs, y a aucun problème. On a les différentes plaques, bah super, bonus, parfait. Alors, destroy all the crates, donc on va niquer toutes les caisses. Bon, bah c'est loupé. Ah, j'aurais pu faire le double saut du coup pour me permettre d'anticiper ma chute. Musicalement, c'est excellent parce qu'on est vraiment dans l'univers bah, de Crash. Hein. Pour tous les fans de Crash, c'est toujours un plaisir. Je suis moi-même fan de la série des Crash Bandicoot et j'ai malheureusement pas pu. Bon, tant pis. J'ai pas pu m'essayer au Insane Trilogy qui est sorti. Enfin, j'ai testé très rapidement, mais j'ai pas pu le faire. Parce qu'à l'époque, bah, j'avais fait tous les Crash à 100%. Alors, peut-être pas le premier, j'ai un doute. On va rentrer là-dedans. Je sais plus si j'avais fait le premier. Reach the end. Ok, donc là on est sur clairement sur du mini-jeu. Alors je pense qu'il fallait que je... Voilà, il fallait que je nique la caisse. Bon, tant pis. Est-ce qu'on peut recommencer éventuellement? Voilà, retry. Bon, je suis pas ultra fan du délire de mini-jeu. Maintenant, si c'est des mini-jeux du coup qui agrémentent, j'ai envie de dire, le gameplay, ce qui semble être le cas ici, ça peut être très intéressant. Là j'ai complètement loupé mon coup. C'est pas grave. Allez. Bon, je crois qu'on a loupé pas mal de caisses là pour le coup. Ouais, musicalement on est vraiment dans l'univers de Crash. C'est vraiment cool. Ah voilà, j'ai réussi à l'avoir. Parce qu'en fait avec B on peut mettre un petit coup de dash. Pour du coup aller un petit peu plus vite et du coup sauter plus loin. Hein. C'est le principe. Alors.
Alors si on continue par là, il n'y a pas vraiment le choix, hein, la direction n'est pas très variée, c'est de gauche à droite. Si je casse ça, voilà, et on récupère un cristal. Donc on est toujours sur ce même délire, hein, de récupérer des cristaux. J'imagine que quand je récupère toutes les caisses, je gagne un diamant. Donc ça c'est intéressant aussi. Hop. Je regardais sur... Bon, n'importe quoi. Je regardais sur mon écran, j'ai réussi un succès sur Twitch. J'en suis extrêmement ravi. Super. Bon, bah c'est intéressant. J'ai l'impression que c'est pas très compliqué. Je sais pas si avec le temps, ça va devenir compliqué. Bon, bah nickel, là, on peut directement débloquer un certain nombre de choses. Alors, j'aimerais quand même tester deux ou trois autres mini-jeux. Qu'on a les monstres emblématiques, hein, de la série. J'aimerais voir si du coup les mini-jeux sont variés ou si... on va voir, là on en a un tout de suite. Stop the chip, move and shoot. Ça me fait grave penser à Plante versus Zombie. Ah, on est sur le délire des moutons. Alors le délire des moutons, c'était quand même plus Spyro. Hein, oh, il est méchant. Ah, faut que j'en ai 40, putain c'est long, ça va être long. Donc il faut pas qu'ils arrivent au bout, parce que sinon ils touchent la nitro et ça craint. Donc je peux pas tirer à l'infini, enfin pas à l'infini, mais je peux tirer qu'une seule roquette à la fois. Ce qui du coup peut être problématique. Ce qui permet du coup de ne pas tricher et de jouer uniquement sur son talent. Ouais, les boutons c'était dans Spyro, il me semble, c'était pour récupérer de la vie. Tu niquais un bouton et t'avais une petite luciole qui sortait, hein. C'est peut-être une connerie. C'était pas à me dire, hein, si c'est une bêtise que je dis. Parce que j'en dis beaucoup, 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 beaucoup. Non, c'est très sympa. Je suis vraiment dans l'univers de Crash. Bon, maintenant, c'est clair qu'on n'est pas sur du niveau de Crash 1, Crash 2, Crash 3, dans le sens où on est limité par la technique, hein, tout simplement. On est sur Game Boy Advance, hein, une petite console toute minuscule. donc on peut pas non plus trop en demander. Donc on va dépenser ces petites pommettes. Reach the end. Ah, c'est typiquement le genre de truc que j'aime pas. En plus, la maniabilité est complètement nulle à chier. Ah ouais. Ah putain, c'est nul. Ça c'est le genre de truc que je trouve complètement nul. Parce qu'en fait, là, pour vous donner un petit ordre d'idée, là, j'ai la croix qui est vers le haut, en fait. Et du coup, là, je vais tourner, j'ai encore la croix vers le haut. Je sais pas si c'est très clair. Et du coup, c'est un peu nul, quoi. C'est un peu nul parce que j'ai envie de dire, est-ce que c'était comme ça pour Micro Machine ? Je sais pas, je sais plus. Micro Machine était sympa, je crois, un peu ce même type de déplacement, mais c'est long. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là ? C'est pas marqué ? Je nique. Bon. On va pas retry, celui-là j'aime pas trop. On va essayer peut-être d'en s'en faire un petit dernier, hein, histoire d'avoir un aperçu. Bon après, c'est aussi le principe de la console portable, c'est de faire des parties courtes. Donc tu fais ta petite partie, tu fais deux ou trois mini-jeux et ensuite tu passes à autre chose. Ça c'est intéressant de ce point de vue là. Oula, j'ai pas du tout vu ce qui s'était passé. Alors est-ce qu'il faut que je nique les tanks ? D'accord, je comprends. C'est nul. Je suis désolé mais c'est nul. D'accord, en fait, je peux grimper, je pense, pour éviter, les petits tanks. Je comprends pas, attends, je vais recommencer. Shoot them down, move haut et bas, ok, et shoot avec A. Et lift up, faut que je laisse appuyer sur B, donc là je laisse appuyer sur B, ok. Ah, mais j'avais pas vu ce que je bougeais en fait. D'accord, ok, donc en fait on est sur plusieurs plans, on bouge son petit hélico. Ah, c'est vraiment pas terrible. Et en fait, si on en loupe un, ça passe. L'idée est bonne, hein. Mais c'est un peu lourdingue, quoi. Donc, eux, ils ont des... Ouais, bon, c'est mort. Bon, on va s'arrêter là pour ce crash. Des mini-jeux qui ont l'air d'être variés, pour le coup, il faut le reconnaître. Malheureusement, là, sur les 3 que j'ai essayé, sur les 4, les 3 que j'ai essayé, il y en avait quand même 2 qui étaient pas terribles. Et ça, c'est un petit peu crédios. On y retourne, et cette fois-ci, on va faire pour changer de la Mega Drive.
Ludothèque, somme toute très importante, hein, mais très peu connue, notamment de ma part, hein, parce que je n'avais pas de Mega Drive quand j'étais petit. Donc, on est en 19 et nous sommes en M19. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Master of Weapon. On a la version Japan. Est-ce que Master of Monsters, c'est le même jeu en version USA? C'est la grande question que je me pose. Écoutez, on va lancer le jeu en Jap. On s'en fout. Je vous mets ça en plein écran. Et puis on va découvrir ça. Sorti en 91, l'année de ma sortie à moi aussi. Et on est clairement sur un shmup. On est sur du shmup. On est sur du shmup de qualité, alors est-ce que... Alors de qualité parce que c'est super... Ah c'est cool, c'est super fluide, c'est super agréable. Alors ce qui est marrant c'est que c'est la version japonaise et j'ai vu aucun signe japonais. Alors on est clairement sur du jeu d'arcade version salon, avec du coup ces vagues de mobs qui apparaissent. Alors bon... Comme d'habitude, hein, le son est absolument sale. Le jeu a l'air d'être très dur aussi. Alors si je mets un petit... Alors ça c'est quoi ça? Ah d'accord, ça devait être peut-être des... Ah c'est pour tirer au sol! D'accord, j'avais pas compris. Et c'est pour ça que je suis mort. D'accord, je comprends. Bon, on va recommencer. D'accord, on peut tirer à la fois au sol pour niquer les installations ennemies et à la fois dans les airs. Waouh, d'accord, donc ça implique d'être sur les deux plans et donc d'être super réactif. Ça va être assez compliqué. D'autant plus que la multiplicité des éléments à l'écran font que voilà, c'est difficile de repérer les différentes bolettes des ennemis. Et en fait, quand on tire au sol, il faut qu'on soit à bout portant. Wow. Normalement, je suis pas très bon au shmup. Mais ça va, normalement j'arrive au moins à passer les deux premiers niveaux en général. Celui-là m'a l'air d'être particulièrement difficile et c'est peut-être le fait du coup d'être sur plusieurs plans moi, qui me perturbe. Enfin c'est pas peut-être en fait, c'est évident. Vous voyez là je viens de me faire complètement fumer. Ce qui est la tristesse intense. On sait pas exactement quand c'est ce qui est ce qui rend la chose encore plus complexe. Je suis même en train de me dire, est-ce que ça vaut le coup en fait? Ah ouais, ceux-là aussi ils tirent. Ah ouais, c'est méga hardcore. C'est méga hardcore. Donc là, clairement, c'est un shmup fait pour les hardcore fans de shmup. Et je vois bien exactement ce jeu sur une borne d'arcade en train de tourner où tu dois dépenser un paquet de fric monstres. Bon, on va quand même essayer de se faire le boss, ou peut-être le mini-boss, je ne sais pas. Bon, musicalement, au niveau des bruitages, c'est horrible. C'est peut-être mon émulation qui provoque ça. En tout cas, j'en suis vraiment désolé. Moi, je vous avoue que ça m'éclate les oreilles, hein. Très clairement. On va récupérer tout ça. Hop, voilà. Là, on est méga chaud, donc on a toujours les power-up, hein, le classique. J'ai tout balancé, hein. C'est bon, on l'a niqué. Oh la merde, il a une deuxième phase. En plus, c'est pas compliqué en soi. Enfin, il n'y a que quelques bullets à éviter. Mais bon. Bon, bah, c'est perdu. J'ai vu mon chat faire un bond. Chat d'ailleurs qui est très sympathique parce qu'il ne vient jamais me faire chier pendant que j'enregistre cette émission. Et ça, c'est très cool. Par contre, dès que c'est fini, ah, c'est la fête. Hein. Alors là, le machin est. Elle me saute à la tronche, mais sympathiquement, hein, toujours avec beaucoup d'amicalité et de bonheur. Hein. Alors, je sais pas trop là où j'en suis. Évidemment, il n'y a pas de barre de vie, hein, faut pas déconner, on est sur du shmup arcade hardcore, j'ai envie de vous dire. Bon, on va essayer une dernière fois de le niquer, mais à mon avis, c'est pas gagné. Hein. Bon, bah, je l'avais même pas vu celui-là. Bon. Écoutez-moi cette musique de l'enfer, cette musique de l'ennui. Ah là 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 là, ça me fait trop peur. Bon bah c'était rapide pour de la Mega Drive. Bah bon.
On va donc passer. Ah, j'allais dire de la N64, mais j'ai envie de vous garder la N64 pour la fin. On va passer sur de la Super NES. Et je vais vous préparer ça immédiatement. Hop, load SNES, voilà tout. On va lancer les petits dés de l'amour, le random pour les hommes. Et on est donc en 8. Et nous sommes en W8. Allez, W. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, vous ne voyez pas ce que c'est parce que je ne peux pas descendre plus bas. Mais le jeu, c'est World Heroes, en version européenne, du coup. C'est fait par Sunsoft et on va se lancer immédiatement. Jeu que je ne connais absolument pas non plus. Mais c'est ça aussi la magie du pochette surprise, c'est de découvrir ensemble des vieux jeux à travers des sessions de jeu qui sont très courtes. Mais qui souvent peuvent être très révélatrices du jeu ou au contraire pas du tout. Donc c'est sorti quoi, 92, 93, on n'en sait rien, un des deux. Et on va partir immédiatement, donc les héros du monde. Je suis arrivé au bon moment. Ah, donc là on est clairement sur un gros jeu de combat. Alors, ça, bah, j'adore ce type de jeu de combat de l'époque parce que les mecs ont des noms qui sont mais tellement clichés, j'adore. Donc on a Hanzo pour le Japon et Fuma. On a Dragon pour la Chine. On a Jeanne pour la France. Alors, je ne sais quel pays. Mister Power pour les États-Unis. Pour l'Allemagne, on a Broken. Et Raspoutine pour la Russie. C'est absolument génial. Et bah écoutez, on va prendre Jeanne. Hein? Hein? N'est-ce pas, Jeanne? Hein? Mon imitation était assez pitoyable. On va partir en normal. Je pense que c'est un jeu de combat, hein. Ou peut-être un beat'em all, à voir. Allez, Jan versus Dragon. Round one. Alors, première remarque, le jeu est pas dégueu visuellement. On se croirait presque. Les plus ils vont peut-être me cracher à la gueule, mais moi je trouve que c'est le cas, on se croirait presque sur du 2X. En termes de graphisme, hein, pas forcément en termes d'animation. Hein. Là derrière, on voit les deux types, il y a 3 frames, je la ferme. Alors, en termes de combat propre, est-ce qu'il y a des quarts de cercle? J'en ai aucune idée. J'essaye de faire des trucs, mais sans succès. Donc là, on a la française, hein, Jeanne. Jeanne d'Arc, hein, avec son épée hein, et ses cheveux blonds, qui se bat contre Dragon. Hein, le mec qui se bat torse nu, puisqu'il est chinois. Parce que c'est bien clair que tous les Chinois se battent torse nu. Hein, ça, c'est... On était vraiment dans les clichés, hein, ça me faisait marrer. Voilà, pour être tout à fait honnête, j'ai spamé ma touche X. Hein. Alors là, c'était... c'était très bien. Donc Dragon, hein, je l'ai bien fumé sa race. On a gagné 34 000 points. Bon, c'est pas dégueu, visuellement, les sprites sont quand même corrects, pas super bien animés, malheureusement. Alors, en revanche, en termes de gameplay pur, c'est très difficile hein, sur un jeu de combat sur lequel clairement, je sais pas du tout s'il y a des combos, s'il y a des shops. Bon, bah, s'il y a des shops, pour le coup. comment se protéger? Donc, se protéger, c'est comme Street Fighter, il n'y a pas de souci, c'est juste on se met vers l'arrière. Alors, est-ce que les boutons LR sont utilisés? Absolument pas. Alors là, j'ai l'impression que c'est un contre. Si j'appuie du coup sur le bouton... Ça devait être le bouton A de la manette SNES. On est sur du contre. Enfin, j'ai l'impression. Hein. Ouf! Oh, le bruit qu'elle a fait! On dirait mon chat quand il n'est pas content. Allez, dernier round. La musique derrière est assez entraînante, alors on l'entend pas trop, mais je l'entends pas trop, j'imagine que vous non plus, vous ne l'entendez pas trop. Oh la vache, c'est Dragon, Dragon il est en mode Super Saiyan là, c'est quoi ces conneries? Alors je peux mettre aussi des coups de savate en appuyant sur le bouton A. Oh, et des coups de poing, des petites claques ma gueule. C'est la classe à la française ça. Allez viens, viens, viens. Ah la chope, d'accord, le bouton B, du coup, enfin le bouton A plutôt, c'est la chope. Mais du coup, il faut le faire au bon moment. Allez, tiens, prends ça. Par contre, je sais pas du tout dans quelle mesure il y a des variations de combos, etc. J'en ai absolument aucune idée. On verra bien. Donc, player one win, yes. Super, merci Jeanne. Merci Jeanne. Ok, ensuite, on va se battre contre qui?
contre un japonais. Bon, serait-ce Fuma peut-être? Ah non, c'est Hanzo. J'avais une chance sur deux. Alors Hanzo, je sais pas quel archétype du japonais il est censé représenter. Ouais, peut-être le combattant samouraï cool. Tu vois, le mec a une coupe un peu punk. Tu vois, faut se remettre dans les années 80 avec ce qui lui arrive. Waouh, comment il m'a stun de ouf. Ah mais je me suis trompé, j'utilisais les croix alors que c'était les flèches. N'importe quoi. Oh la vache. Et hey, Hanzo, c'est pas très sympa ça. Hein. C'est vraiment pas très sympa ce que tu me fais. Non mais c'est sûr qu'il y a des combos et tout, c'est sûr. Ouais bah, bruit de chouette, hein. désolé. C'était pas chouette. You lose. Allez, on est reparti. On peut jouer à deux, hein. Je vois Prestart pour le deuxième joueur. Ça c'est cool. Donc on est au niveau du décor, on est pas trop mal aussi, hein. C'est plutôt sympa, c'est légèrement statique. Ah, on dirait clairement le coup d'épée de Link. Vous savez, dans Smash Bros, ou même dans Soul Calibur, je pensais, voilà, dans Soul Calibur qui rebondit. Le coup d'épée vers le bas. Ah, mais il fait des trucs de bâtard. Tiens, et là, en fait, je me rends compte que je peux le niquer comme ça, hop. On va faire vraiment le... On a rien à branler, hop. J'essaye de faire des quarts de cercle en même temps, hein, mais pff, sans succès. Et cool. Il dit c'est cool là. Allez, prends ça. Je sais pas du tout comment je fais les trucs, hein, sérieusement. Je vois que j'ai un dash aussi. Je pense que si je mets un coup sec vers le bas et que j'appuie sur Ah non, c'est pas le cas. Ou peut-être diagonale. Ouf. Ouh, ce bullshot qui s'est pris à la fin. Oh là 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 là. Ah, c'est beau, ça fait plaisir. Oh, le bullshot des familles. Eh ben, on s'en sort pas trop mal, hein. Allez, round 3. 3. C'est le round 3. Allez, c'est parti. Ouh, lélélélélélé. Aïe, 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 aïe. Hanzo qui me fait sa fameuse prise, hein. Le super Hanzo Power, Love et Babylone et compagnie. Aïe, 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 aïe. Allez, prends ça. Oh, il s'est protégé. Oh, le vient. Bah, honnêtement, je trouve que c'est pas nul, hein. Je pense, en checkant un petit peu les combos, en checkant les différentes techniques de chaque personnage, il y a moyen de faire des trucs vraiment stylés. Et je suis très agréablement surpris. Vraiment. Oh bon ben. La chouette est morte. Jeanne d'Arc n'est plus. Jeanne d'Arc s'est fait tuer par un japonais. Voilà, on réécrit aussi un petit peu l'histoire avec les jeux vidéo. Et c'est ça qui est beau. Jeanne d'Arc qui s'est transformée en homme pour l'occasion. Hein, avec son espèce de coupe. Alors c'est pas une coupe mulet, mais ça y ressemble. Bon, et eh ben tant pis. C'est terminé. On s'appelle AAA. Et c'est la fin. Mais ce n'est pas la fin de ce pochette surprise. Alors certes, aujourd'hui, les jeux s'enchaînent un petit peu rapidement. J'en suis peut-être assez désolé parce que je vous avoue que je suis, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, relativement fatigué. Mais ce n'est pas un souci puisque notre fatigue va s'estomper avec la présence de l'excellentissime console Nintendo 64. Et je vais directement... vous lancez cela avec un petit random pour les hommes. On est donc en 12 et nous sommes en X12. Alors 1, 2, je remonte tout en haut. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Army Men Air Combat. Alors je suis un petit peu triste pour le coup de devoir jouer Army Men parce que j'en avais déjà testé un la dernière fois. C'était une saga à laquelle j'étais assez hypé quand j'étais jeune. J'ai malheureusement jamais eu l'occasion de tester. J'avais testé dans un des pochettes surprise Army Men et j'avais trouvé ça absolument nul à chier. Peut-être que le jeu accusait un petit peu trop sa vieillesse, je ne sais pas. Alors on détecte l'expansion pack. Donc. 3DO Studio, hein, qui sont encore présents, si je dis pas de bêtises. C'est un studio qui me dit quelque chose. Sorti en 2000. Alors, je sais plus combien était sorti l'autre. Bon, tout est... voilà, c'est le copyright. Hein, voilà, on connaît bien tout ça. Army Men Air Combat. Alors, je sais du coup que c'est un jeu un petit peu de guerre, comme ça, où on a son petit personnage bleu. Vous savez, c'est un petit peu les personnages comme dans Toy Story. Allez, on va start le game, on va directement rentrer dedans. Vous savez, les petits soldats, c'était plutôt sympa. Insert Rubble Pack. Ok, alors je me rends compte que le son est quasi inexistant. Donc, je vais l'augmenter un petit peu à la fois pour vous et pour moi.
Voilà. Je pense que c'est bon. Alors, comment ça se passe? Army Men, du coup. Là, j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout sur le même style de jeu, dans le sens où... Est-ce que toi, tu peux grimper, hein, non? Dans le sens où là, on est vraiment en hélicoptère. Il n'y a pas ce côté TPS un peu nul qu'il y avait dans l'autre. Bien que j'aime les TPS, hein, attention. Voilà, donc là, il faut ramasser ça comme cela. Alors, est-ce que c'est mes potes ou pas? Ah non, c'était pas mes potes sur qui je tirais. Donc, on va progresser petit à petit. Bah, écoutez, là, pour le coup, le feeling de jeu est vachement sympa. Bon, lui s'est fait canner. Alors, est-ce que je maîtrise bien tous les aspects du truc? Donc, je vois que j'ai un certain nombre de missiles, un certain nombre de missiles à tête chercheuse aussi. Je peux afficher la carte ici. Je peux me déplacer à droite, à gauche. Voilà, j'ai aussi des strafes. Aïe, aïe, aïe. Donc on va essayer de mettre des coups. Ah, on peut aussi récupérer les rochers, du coup, et peut-être mettre des coups aux adversaires, je ne sais pas. J'essaye. Alors, qu'est-ce que ça dit? J'y arrive pas. Non? Ah, faut peut-être que je le lâche. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Alors, si on met des petits coups. Voilà, toi tu prends ça, toi tu prends ça, et toi tu prends ça. Le feeling est pas dégueu. Alors, est-ce qu'il faut que je nique tout le monde? C'est ça la grande question. Peut-être pour faire passer ma propre armée. Donc, on a un côté très. Peut-être tactique, j'en sais rien, mais en tout cas très. Très arcade dans le gameplay. Voilà, t'arrives, tu cherches pas, tu tires. Peut-être que ça deviendra tactique par la suite. En tout cas, moi, je vous avoue que j'apprécie bien. Je passe un moment, ma foi, fort sympathique. Je récupère donc quelques armes. En l'occurrence, c'est des missiles, mais. Qui pour le coup ne sont pas tête chercheuse, mais c'est peut-être pas plus mal. Donc ce sera deux pour eux. Si je passe par ici, voilà, je viens de sauver un de mes camps. Donc je vais récupérer cela immédiatement. Donc c'était de la vie, visiblement. Ensuite, si je récupère ça, c'est quoi ça? No fly. J'ai pas entendu ce qu'il disait. Le son est atrocement bas. Donc j'avoue qu'en termes d'immersion, c'est pas trop ça non plus. Alors, est-ce qu'il faut que je ramène peut-être cette caisse au bout? C'est tout à fait possible. Donc là, du coup, ça nous empêche d'aller trop haut. Là, je vois que mes petits soldats ont pris... Bon, tant pis pour la caisse. Je vois que mes petits soldats ont pris leurs aises. Bah écoutez, très bonne surprise. Très bonne surprise, ce petit jeu d'hélico guerre comme ça, c'est pas mal. Alors, est-ce que c'est répétitif avec le temps? Bah ça, c'est pas Pochette Surprise qui vous l'apprendra. Hein. J'en ai absolument aucune idée. Et c'est pas le but. Hein. En tout cas, là, le but, c'est de passer un bon moment sur le coup. Et là, là je passe un bon moment de jeu, on peut le dire. Graphiquement, c'est beau, c'est plutôt fluide. C'est très mignon. On est dans une espèce de plaine. Enfin, plutôt, pas de plaine, mais... ouais, dans une plaine montagneuse, on peut dire ça, verdoyante, avec des petits sapins. Est-ce que c'est varié avec le temps? Je ne sais pas. L'avenir nous le dira, mais moi, c'est le genre de jeu, pour le coup, ça, c'est le genre de truc, je me commanderais bien une pizza. Je me prends une ou deux bières, ou même pas, hein, du jus de fruits, tranquille. Et puis je me fais une session de ce jeu-là, on essaye de le terminer avec les copains. Tu vois, vraiment le truc tranquille. Je pense qu'il fallait que j'aille récupérer la caisse. Hein. Voilà, on voit la caisse qui est signalée par un point sur la carte, un point rose. On va récupérer ça. Alors, il restait un petit tank d'amour. Bon, là, l'IA a pas l'air d'être très ouf, mais je sais pas si c'est ce qu'on demande dans ce genre de jeu non plus. Hein. Nous, on demande simplement qu'à se balader avec notre hélico et à tout niquer sur notre passage. En tout cas, je pensais que la série des Army Men était uniquement composée de TPS. Or, ben, il semblerait que ce soit pas le cas. Et ça, c'est vraiment, vraiment très cool. Bon, là, du coup, on est vachement plus lent avec cette caisse. Alors, je pense qu'après, il y a moyen de faire des espèces de combos, vous savez, des interactions avec le décor. J'ai vu que j'avais du napalm, là. Si je remets, hop, voilà, si je remets en dessous, vous voyez le... les différentes armes, j'ai l'impression que c'est du napalm, donc peut-être qu'il y aura du pétrole à un moment, on devra arroser ça, et du coup bien essayer de garder précieusement son napalm. Ça peut être intéressant. Bon, on va faire la deuxième mission. Alors, hélicoptère, est-ce que je peux choisir mon hélicoptère? Password, hein, par contre, password, je comprends pas. Copilote, donc je choisis mon copilote.
Ok, donc t'as une voix d'homme, visiblement. Mais c'est bien. Les transgenres ont tout à fait leur place dans la guerre. Ah, donc là, en termes visuels, on est clairement sur un truc différent. Et là, je me rends compte, et là, un truc que je m'étais pas rendu compte, en fait, quand je vous disais qu'on était clairement sur le délire à la Toy Story, en fait, j'ai l'impression que c'est ça, et je m'en étais pas du tout rendu compte la dernière fois. C'est comme si un gamin, en fait, jouait à son, avec ses petits soldats, et justement, tu incarnes un de ces petits soldats. Et effectivement, j'ai l'impression d'être un petit hélicoptère pris dans l'enceinte d'un jardin, et du coup, devoir me battre contre les autres. Et je trouve ça très intéressant pour le coup. Et je m'étais pas du tout rendu compte de ça dans l'opus que j'avais fait, qui était du coup aussi sur N64, et qui était en 3D, en TPS, pardon, enfin en format TPS. Et pour le coup, je suis très 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 agréablement surpris. On a vraiment ce côté micro-machine. En revanche, j'ai pas vraiment regardé ce qu'il fallait que je fasse. Bon bah du coup on voit directement là le jeu prend une autre ampleur. Et du coup je trouve que le jeu pour le coup récupère un charme, un certain charme que je trouvais vraiment très quelconque sur l'autre. Et là je trouve ça très intéressant. Après ça n'engage que moi bien évidemment. Hein. Ah voilà le convoi ici. Le convoi ici, donc on va niquer. Voilà, c'est bon, on l'a eu? Non, on l'a pas eu? C'est peut-être un petit peu con d'y être allé autant à la bourrin. J'aurais peut-être dû y aller plus tranquillement. Alors, comment ça se passe? Si je nique ça, ça marche pas. Si je balance un petit coup de napalm là-dessus. Donc là, on voit que le napalm est extrêmement efficace. Alors, est-ce que ce serait pas ça qu'il faut que je nique? Ouais, voilà, c'est tout à fait ça. J'ai même pas l'impression que c'est du napalm, si. Combien de coups il a besoin pour canner? Bon, suffisamment peu pour pouvoir passer un bon moment. Donc on récupère le napalm. Aïe, 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 aïe. Donc effectivement, on peut lancer hein, à chaque fois qu'un seul missile hein, à la fois. Bon, de toute façon, j'y vais à l'ancienne. On n'est pas là pour niaiser, comme diraient nos amis québécois. Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Alors, toi, est-ce qu'il faut que je te nique? Je pense que oui, hein. Ouais, c'était le convoi qui allait apporter les armes nucléaires dans le but de détruire le jardin de notre petit camarade. Alors, est-ce que j'ai d'autres boutons? Parce que je sais que j'ai pas tout testé. Alors, si je balance, là, je vais aller à l'ancienne. Oh merde! Ah, c'était très con ça. J'ai niqué mon napalm pour rien. Alors, si on fait ça, est-ce que ça le nique? Ah oh merde, j'ai encore niqué le truc. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Mission complete. Voilà. Ils sont encore tous en train de me tirer dessus, mais je les ai fumés. Bon, bah, la mission est complète. C'est très très cool. On va s'arrêter là pour ce jeu, qui, ma foi, m'a l'air fort sympathique. N'hésitez pas une fois de plus à me dire en commentaire si jamais ça vous plaît et si vous voulez que je continue hein, ces différents jeux que je peux commencer sans les finir, auquel cas je peux m'intéresser éventuellement de faire un let's play dessus. Je suis ouvert à toutes vos suggestions. Bon, j'avais dit que c'était le dernier, mais j'ai quand même envie pour le plaisir d'en faire un dernier de chez dernier, du coup sur Game Boy Advance. Alors, je vois que. Alors, on dirait que c'est ma scène qui a planté. Bon, tant pis. Oh. Pff, je vous mets n'importe quoi. Alors, je vais vous lancer la GBA, donc Open Game Boy. GBA qui, jusque maintenant, s'est révélée être très positivement agréable. Ça n'a pas trop de sens ce que je dis. En termes de jeu, j'ai été très très agréablement surpris par la qualité des jeux que je pouvais y trouver, en restant bien évidemment dans l'optique qu'on est sur de la Game Boy Color, hein, ou de la Game Boy normale. Hein. Donc on est en Z7. Allez, 1, 2, 3, je remonte tout en haut. 4, 5, 6, 7. 007, The World is Enough. Donc. Un James Bond qu'on va découvrir ensemble, qui est sorti en 2001, donc vraiment vers la fin de vie de la machine. Je vous mets la scène immédiatement.
Hop. Et ben on est tout bon. C'est tout bon pour vous. Donc James Bond, blablabli, blablabla. Je suis très curieux de savoir comment est-ce qu'ils ont fait pour adapter un jeu James Bond sur cette console. Donc c'est EA, pardon, qui a fait ça. Donc ça doit être un tiré du film. Alors là, je viens de m'éclater les petites oreilles. Je viens complètement de m'éclater les oreilles. Et je me rends compte qu'en fait, si vous n'aviez pas de son, c'est parce que je l'avais baissé directement sur mon ordi. Et là, vous sentez la douleur du son, hein? Hein? Vous la sentez, hein? Allez, on est parti. Alors, si vous n'entendez que d'un côté, c'est normal. Moi aussi, je n'entends que d'un côté. Normalement, oui. Allez, rendez-vous à Bilbao en Espagne pour aller niquer la gueule des adversaires. Je vais encore baisser mon son parce que ça m'éclate les petites oreilles. Bon, on est sur un jeu avec une vue du coup du dessus. On peut mettre des coups de poing. Est-ce qu'on a des armes visiblement? Visiblement, on n'a pas d'armes, excusez-moi. Donc c'est fermé. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que faut-il que je fasse? Alors, je peux. Non, je peux juste mettre des coups de poing. Là, c'est ultra basique. Coup de poing, sinon rien. Eh ben, c'est bien, dis donc. J'ai même pas regardé quel James Bond c'était. Alors, visiblement, il n'y a rien de très intéressant dans le jeu. En tout cas, là, j'avoue que. Peut-être ici, ce sera ouvert. Et voilà, là, c'est ouvert. Petit problème hein, de level design où on a des portes qui se ressemblent toutes, il n'y a aucun témoin qui te dit qu'une porte est ouverte et que l'autre est fermée. Bon, ça c'est un problème assez récurrent à l'époque. Alors, j'ai récupéré un truc, je sais pas ce que c'est. Non, bah, j'ai que deux boutons donc j'ai pas non plus un nombre de possibilités infinies. Est-ce que ce serait pas une carte que j'aurais ramassée pour éventuellement ouvrir la porte? En tout cas là c'est le gros fun hein. Bon voilà c'était ça, c'était pour ouvrir la porte. Je suis donc dans l'ascenseur. Deuxième étage, troisième étage. On va laisser James choisir où est-ce qu'il veut aller. Donc là je vois qu'il y a un garde. Et je me fais suivre. Donc là je peux rien faire. C'est le personnage qui se déplace tout seul. Mr. Bond, you've come for the money. Oui, je suis venu pour l'argent, blablabla. Ah d'accord, ça part direct en couille. Oh là là, gros problème. Je comprends pas, on voit pas. Je peux pas leur mettre des coups, tiens, prends tes coups. Mais normalement j'avais une arme, non? Bon, la musique est atroce. Bon, il y a des petits glitches visuels, mais ça c'est de ma faute. C'est l'émulateur qui est moisi. Donc là, la madame, elle est morte. Mais comment ça... Ah, bah, je disais bien que j'avais un gun. Bon, les animations sont pas mal. Graphiquement, c'est pas trop mal. Maintenant, c'est pas un jeu que je vais faire parce que c'est pas mon type de jeu, très clairement. Musicalement, ça pique. Hein. Ça pique, non, les animations sont pas mal. Par contre, 3, 4 balles dans la gueule pour crever, t'es sérieux hein? On se croirait dans Resident Evil, quoi. Sérieux, quoi. Oh, ils ont craqué. Hein. Non, faut pas déconner, les mecs. Hein. Bon, en plus, je sais pas viser. Si je tire dans le dos, ah, on peut même pas les niquer en un coup, quoi. Ah, c'est vraiment 4 coups. Ah, mais c'est abusé. Hein. C'est horriblement dur. T'es obligé de te reculer. Et en plus, comme l'animation est méga longue. Tu peux même pas te permettre de mettre un coup, se barrer, etc. Non, non, non. Là, c'est. Tu prends ton temps, tu vises et tu tires. D'un autre côté, j'imagine que ça devait être un jeu peut-être d'infiltration. Peut-être qu'il faut pas que je tue les gens, en fait, tout simplement. Peut-être qu'il faut que je les nique par derrière, tranquillement. Tiens, super, ils m'ont mis un peu de vie. Non, mais là, concrètement, je vois pas comment je peux faire pour ne pas me faire repérer. Enfin, moi qui ai des coffres, quelque part, enfin, des boîtes, des cartons. Bon, bah voilà, c'est le James Bond. Alors, moi j'avais beaucoup aimé GoldenEye, hein, bien évidemment. Sur Game Boy, bon, voilà, c'est pas mal. C'est pas mal, sur Game Boy.
C'est pas mal, mais là je vois directement le plus gros problème du jeu, quoi. Le plus gros problème, c'est... Ok, ils ont voulu faire des belles animations pour coller au personnage, mais ça dessert complètement l'expérience de jeu. En plus, les balles, on les voit quasiment pas, c'est difficile de les éviter. À moins que ce soit moi qui ai pas compris quelque chose, qui est fort probable, là j'avoue, j'avoue être un petit peu dubitatif par la qualité vidéoludique de ce jeu, hein, voilà. Tiens, prends ta balle. J'ai l'impression de l'avoir niqué en 4 coups de poing, donc en fait, le mec, bon, James Bond, il est mort. En fait, je l'ai niqué en 4 coups de poing. Et en 4 balles, le mec, il meurt pas, quoi. C'est incroyable. Alors, Mission Fail avec toujours ces magnifiques écrans de fin. Hein, je vais vous épargner, du coup, le reste de la musique. Et du coup, on va terminer ici avec les au revoir. Écoutez, merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Pochette Surprise, qui était un petit peu tranquille, un petit peu moins fifou que d'habitude. En tout cas, merci à tous de me suivre, à la fois sur Twitch, sur YouTube. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si vous en voulez plus, à partager ça aux personnes qui seraient éventuellement susceptibles d'apprécier mon travail. Sur ces belles paroles, je vous dis à très bientôt, des bisous et portez-vous bien. Ciao, ciao, ciao.